Oui ? Rengainez votre dague. Elle a tué mon Alina ! Je ne la reverrai jamais. Célina a tué sa sœur ? Elle a avoué. Elles se sont disputées. Et Célina a poussé Alina. La tête de ma bien-aimée a heurté une pierre. C'est terrible. C'est un accident. Célina m'a tout dit. Et j'ai perdu le contrôle de moi-même. Célina a jalousé Alina. Et Juliane aussi, pour sa fortune. Elle doit être punie. Alina n'est pas morte. Elle s'est transformée en spectre de midi. Oh, c'est atroce. Je dois l'aider. Essayez de ne rien faire de stupide. Oui ? Adam, vous faites peine à voir. Et qu'espériez-vous ? Ma bien-aimée effraie les gens, j'ai tué une femme, et je suis dénué du moindre talent. Désolé. Gérald ? Je devais partir à la recherche d'Alina. Et alors ? Je l'ai trouvée. Oh, c'est magnifique ! Elle va bien ? Asseyez-vous et buvez un coup. Alina est morte. Elle s'est transformée en spectre de midi, en démon. Morte ? Je sais que c'est dur, mais nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Si je n'interviens pas, des gens mourront dans les champs. Je sais. Faites ce que vous avez à faire. Je vous paierai. Ça coûtera plus d'une pièce d'argent. Faites ce qui doit être fait, sorceleur. Et si possible, faites qu'elle ne souffre pas. J'essaierai. Vous savez, je crois à la logique, pas au Dieu. Et pourtant, j'ai prié Mélitel pour qu'Alina et moi puissions nous revoir. Je me suis senti mal, j'ai essayé de ne pas y penser. Je crois que je dois m'habituer à l'idée que mon Alina est morte. Gérald, comment est-ce arrivé ? Célina l'a tuée. Probablement un accident. Elle est morte, elle aussi. Comment ? Adam était amoureux d'Alina. Il n'a pas supporté sa mort et il l'a vengée en tuant Célina. Par tous les dieux, c'est horrible! Tant de souffrance! Qu'avait-elle fait pour mériter un pareil destin? Gérald, je vous en conjure, aidez-les! Je vais m'assurer qu'Adam sera arrêté. Il doit répondre de son crime. Je ferai ce que je peux pour aider les âmes des sœurs à quitter ce monde. Gérald. Je veux que le fantôme d'Alina disparaisse. Il se trouve qu'Alina possédait un miroir donné à Léna, le même que celui qu'emploient les oracles et les prophètes. Il prédisait le futur. Parfois, un peu obscurément. Alina le consultait souvent. En lui demandant, miroir, qui est la plus belle ? Les miroirs donnés à Léna sont soit flatteurs, soit brisés. Le miroir d'Alina n'était pas flatteur. Peut-être que... Si nous trouvions ces morceaux, le reconstituions et le montrions à Alina... Elle réaliserait qui elle est. Demande-moi quand tu sais pas. À plus tard. Salut, Gérald. Comment es-tu arrivé ici ? Je ne te le dirai pas. Je t'accompagne. S'il se passe quoi que ce soit, cours.
Oui. Allez, à plus tard.
Je t'ai demandé de te cacher quand ça devient dangereux. J'entends des voix. Les voix de toutes les femmes qui vivent ici. Elles sont mortes, Alvin. Elles ont peur de moi. Quand elles se croient seules, elles m'appellent l'enfant du diable. Les gens, ils ont peur de tout ce qu'ils ne comprennent pas. Mais je veux qu'elles m'aiment bien. Je veux pas qu'elles soient mortes. Qu'est-ce que je peux faire? Le destin ne fait pas tout. Nous sommes maîtres de notre futur. Ça fait toujours du bien de parler avec toi. Oui. Sauriez-vous restaurer un miroir brisé? Oui, pour 100 orins. Entendu. Voici les morceaux. Je vous paierai quand ce sera fait. Allez, à plus tard. Oui. Je suis là pour le miroir. J'ai fini. Vous avez le prix convenu? Oui, 100 orins. Suivez le spectre de midi. Accompagnez-moi. Alina, regardez dans le miroir. Alina? Regardez attentivement. C'est... si romantique. Je m'appelle Alina. Je dois faire vite. Mon mariage approche. Alina, vous êtes morte? Que dites-vous? À part ce froid passager, je me porte à merveille. Étrange. Il fait aussi chaud qu'en enfer. Je dois cueillir des framboises pour mon bien-aimé. Pourquoi l'âme d'Alina refusait de partir? Maintenant, je sens qu'elle est contente de penser à son mariage. Mais elle ne sait pas qu'elle est un fantôme. Il faut peut-être plus qu'un miroir donné à Alina pour rompre la malédiction. Tu connais l'histoire de la spectre de Midi qui voulait pas épouser un nylphe gardien? J'ai oublié comment ça finit. C'est vrai qu'il me reste toujours la sagesse populaire. Je vais demander aux gens, et vite, parce que j'ai promis à Julianne de libérer sa fiancée. Gérald, est-ce que tu es amoureux? Oui, mais ça ne te regarde pas. Je sais, tu aimes Triss. Que puis-je pour vous? Savez-vous comment aider un fantôme à rejoindre le royaume des morts? Vous pensez à quelqu'un de particulier? Alina, elle a été transformée en spectre de midi. Alina est entrée en possession d'un objet rare et puissant. Un miroir donné à Alina. Les prophètes et les oracles y avaient souvent recours pour prédire l'avenir. Alina interrogeait souvent son miroir. J'ai donné le miroir à Alina. Et? Elle a cessé de m'attaquer et semble réaliser qui elle est.
mais elle n'accepte pas l'idée de sa propre mort. Elle veut entamer ses préparatifs de mariage. Dans ce cas, il faut vous adresser à la Dame du Lac ou à un devin local. Ce sont les seuls à pouvoir vous aider. Merci. Adieu. Maudit spectre de midi. Que veux-tu ? J'ai besoin de votre aide pour un problème d'ordre spirituel. Tu peux te fier à moi. J'ignore comment envoyer l'esprit d'Alina dans l'au-delà. Cette mijaurée ? Elle a eu en sa possession un rare et puissant miroir de Nehalena, autrefois utilisé par les oracles et les prophètes. Alina l'interrogeait sans arrêt. Le miroir a beaucoup plu à Alina, mais elle croit qu'elle est encore en vie et se prépare à son mariage. Les âmes perdues des morts sont autrement plus sensibles que celles des vivants. Une rhétorique plus poétique pourrait la convaincre de revoir sa sœur damnée. Jaskier fera merveille. Bonne chance, sorceleur.